Bonjour les amis, c'est Mobio et on est de retour sur Watch Dogs. Dans l'épisode précédent, je suis allé là-dedans et j'ai scanné la plaque de Irak. Irak, ouais, je crois que c'est ça. Du coup, je vais devoir l'aider. Enfin, je vais devoir pas l'aider, y aller. Alors, par contre, je vais juste regarder, je sais plus quel est le bouton des grenades. C'est tout pourri, mais je ne connais plus les boutons des grenades. Grenades. Clavier souris, oui. Les commandes. C'est tout pourri, ils étaient sur moi de G. Je pourrais en être dans la merde sans savoir. Hein. Lancer. Outil G, bah oui, voilà. Tout bête. C'était G, c'est tout bête. Hop. Et bah gentiment. Désolé, monsieur Crispin. On doit prendre votre arme. Mais avec plaisir. Prenez-en soin. Monsieur Quinn dit que vous voulez voir la matière première. Oui, j'aime bien voir ce que j'achète. Sympathique. J'ai demandé à ce que ma marchandise soit livrée ici. Dites-moi où je peux trouver Poppy. Monsieur Quinn a bien reçu votre demande. Vous inquiétez pas, elle est là. Vous devez connaître les règles fixées par Monsieur Quinn. Le paiement doit être effectué en liquide ou via un compte sécurisé. Si vous prend l'envie de tester une fille avant que les enchères soient ouvertes, il y a un supplément à payer. Les filles premium ne peuvent pas être testées. Préserver leur valeur, voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois, oui. Et allez-y doucement ce soir, si sa part n'aura du mal à convaincre les autres du service. Nos clients sont plutôt discrets. Ouais, faites le virement au plus vite et basta. Moi, parler aux gangsters, ça me file de l'urticaire. Vous inquiétez pas, le patron s'en occupera bientôt. Moi, je vais te dire un truc, faut pas que ça se sache tout ça. C'est hors de question que je finisse en taule. Alors, vous... C'est Monsieur Crispin, la compagne pour voir Monsieur Quinn. Ils amèneront pas toute la marchandise sur scène en même temps. Certaines de ces marchandises seront montrées en privé. Elles ont toutes été marquées avec un numéro. Comme ça, c'est plus efficace. Certains invités préfèrent regarder leur moniteur. Et on m'a dit que vous vouliez voir la scène. Sinon, comment pourrais-je apprécier à sa juste valeur la qualité de votre travail? Reste pas là, toi. Monsieur Quinn l'attend. Monsieur Quinn est là-haut avec Irak. La radio est calme, mais ouvrez quand même l'œil. Faites gaffe, on sait jamais. Je vois. En fait, les personnages, les personnes disparues et qu'à la radio, c'est ici. Yo, le boss vient juste d'appeler. Les hommes de Quinn viennent de se faire bouger. Il se passe un truc chez l'eau. Il veut qu'on vérifie toutes les identités. Tout le monde doit y passer. Deux fois, même s'il faut. Ça pue pour moi. On peut pas accélérer, c'est un problème. Sauf votre respect, c'est vos hommes qui ont disparu. Ça devient trop risqué. Il faut plus qu'un supplément de sécurité. On aurait dû tout annuler. Le risque, c'est d'être perçu comme quelqu'un de faible. Détendez-vous. Faites votre travail. Sans en faire aucune histoire. Ouais, mais il manque des gars. Ça, c'est votre problème, monsieur Irak. Les affaires doivent continuer. En attendant, trouvez qui a tué mes hommes. Ce sera tout. Monsieur Crispin. Excusez. Bien sûr. Ah, notre invité d'honneur. Monsieur Quinn, malheureusement, je ne peux pas rester. Vous aimez ce petit spectacle?
Lequel? Celui d'en bas ou celui d'en haut? Ah. Mon associé, monsieur Irak, c'est un soldat loyal. Que voyez-vous en regardant là-bas? Je vois quelqu'un qui étale son pouvoir. Monsieur Irak voit une vente aux enchères, il voit une récompense. Et l'expérience m'a appris à ne jamais me laisser manipuler. À ne jamais céder. Je ne détecte aucun accent, monsieur Rispé. J'ai appris beaucoup de choses pour en arriver où j'en suis. On m'appelle Loki, mais la chance n'est pour rien. Ok. Monsieur Crispin, il se méfie de vous. Je sais, allons-y. Viens. Plus près. Ce tatouage. Ils disent qu'ils s'en servent pour nous retrouver. Ça marche comme ça dans le business. Je peux brouiller le signal. C'est fait. Oui. Je les ai entendus parler de Crispin. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous devez partir, vite! Passer par le sous-sol. Sérieux? Faut pas que je me fasse détecter direct. Je fais trois pas, c'est bon, on m'arrête. D'accord. J'ai entendu parler de Crispin. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous devez partir, vite. Passer par le sous-sol. Viens avec moi. Non, je peux pas laisser mes amis. D'accord. J'enverrai de l'aide. Reste concentré. Vite! Ils vont comprendre que je vous ai aidé. Ah, pour monter. Je vais essayer par l'arrière. Nouveaux ordres. Irak se retrouve Crispin. Ne laissez pas quitter l'avant. Vous le voyez, vous chauffez. Au père Gall, allez. Faut que tu restes au taquet. Tiens.
Mais non, j'appuie sur C. F. J'appuie sur F, c'est de la triche. Non. Mais non, mais oh. Si j'ai pu. Bon, zen. Voilà, ça fait deux. Je vais essayer par l'arrière. D'accord. Il est juste au-dessus. S'il s'approche, je l'assomme. Approche, allez, viens. Il va sûrement revenir. Et là, je le chope. Voilà. Ça fait deux. Ah ben, j'ai pas d'armes, c'est vrai. Vas-y, retourne-toi, fais quelque chose. Faut qu'on fasse gaffe, les gars. Bon. On reste au taquet. Je sais pas ce que je voulais faire, mais bon, il l'a fait. Ah, c'est ça. C'est contre. Fais gaffe à ton cul, hein. Alors. Voilà. Nickel. Bon. Voilà, je monte et je me casse. Hein? Mieux de m'armer. Tout le monde veut me buter en ce moment. Je veux bien, mais attends, j'ai ramassé son arme à lui, par hasard. Ah non, ça, d'accord.
D'accord, la caméra. Désactiver la porte. Voilà. Mais c'est sérieux, en même temps, je sais pas, ça bougeait plus. Tu peux pas comprendre. J'ai beau essayer de bouger pour tirer quelque chose, que dalle. Ah, c'est pour ça! Ah, j'ai récupéré toutes mes armes, ça y est. Ah, j'ai récupéré mon sac à dos avec toutes mes armes, c'est nickel! Ça me plaît. Ce qui me plaît moins, c'est comment sortir. Je vois pas de caméra ou autre chose, ça tient de ce point. Je veux bien. Mais comment? Je dois être un peu con, hein. Alors. Ouais, y a du barbelé et tout. La porte s'ouvre pas? Non. Bloqué par une porte. Ouais. Génial. Ah. C'était vraiment compliqué. Ok, bon. Bon.
Bon. Bon, il est seul là. Il reste plus que lui. T'as pas envie de mourir ? Voilà. Oui, bah le chien il sonne le fait que je dois arrêter la partie, c'est génial. Vas-y, je te vois toi. Attends. Bouge pas, j'ai regardé. Restez pas à découvert. Oh mon dieu. Mais pas là. T'as intérêt à tracer, fils de pute. Parce que t'es... Ok. Le voilà le bâtard. C'est bon. Ça a l'air pas mal. Bon, bah de toute façon, ça va charger, je vais vous laisser là. Hein, hop.